collectif défenseur plus eh bien dit le bat bravo et la contentement pour publication rapport Nations Unies qui dévoile connivence série acte politique et économique gagné à gang dans pays. Directeur Strictissa Antonal Mortimer fait comprendre rapport ça montre comment yon série acte nan pi au niveau l'état te servi obstacle pour toute démarche qui visait défendre droit moun militant droit moun nan kwè c'est moment pour la justice profiter agir contre acte accomplice acte criminel yo même s'il gen réserve sur la justice haïtienne nan, qui d'après li pa gen liberté pour travailler sans passeport qui nous invité au côté Antonal Mortimer qui te parlé dans micro collaborateur nous Max Stanley Lévé. Pour qui raison travail organisation droit moun yo travail média yo pa gen effet parce que moun qui pour faire et on dit qui pour faire revendication au passé qui pour satisfaire les revendications ou bien qui pour garantir justice liberté publique liberté individuelle les droits fondamentaux eux-mêmes eux c'est des véritables prédateurs des droits ou bien majorité là-dedans bon pas moins dit en passant jusqu'à ce que là un tribunal dans pays ou bien un tribunal qui fait pour ça les prononcer un jugement nous devons quand même considérer Mounio comme présumé coupable ou bien présumé innocent. Mais nous sommes capables de noter tout, gagner allégation contre eux. Ce n'est pas parce que les États-Unis réfraction, bien Canada réfraction, bien c'est pas parce que mon groupe expert, il y a des Nations Unies nommées, mais non enquête, pour nous connaître des mounes, ils ont été nommés non, ils ont été passés dans la Syrie, ils ont été bonnes. Pour nous connaître des mounes dans le pays, yo tlomenon yo nan kriye ou bien nan sipote groupe gang qui empêchait moun traverser Matisan, qui empêchait l'autre groupe qui empêchait moun traverser Malpas pour aller République Dominicaine, qui empêchait moun aller plateau central, qui empêchait moun aller dans zone cabaret à Kaye, et l'autre gang qui dans zone Petionville, qui la deuxième qui toujours revendiqué au proche pouvoir. Yo dit ça dans micro journaliste, yo parlé avec des groupes des blogueurs ou bien des influenceurs sur les réseaux sociaux pour dire mais pour qui est-ce qu'il travaille? Yo pas fait dit ça. Donc parole ça yo, il y a des monde bon, non au niveau défenseur plus, non pas étonné de certains monde dans l'islam, il y a un monde moi pense dans l'état actuel que la justice y est là, la justice et même tous les gangrenés par la corruption, même les gars des bons juges, même les gars des bons commissaires gouvernement, des bons avocats, des bons greffiers, des bons huissiers dans le système judiciaire là, mais globalement sont la justice qui est sous coupe réglée gouvernement. D'ailleurs, c'est le gouvernement de facto qui nomme juge en cour d'appel, c'est lui qui nomme juge à la cour de cassation d'une manière illégale et irrégulière, inconstitutionnelle, lui-même permet peut-être mon CSPJ qui a coopéré, qui a gaspillé l'argent de l'État, ça n'a pas pris rien, ou bien qui a pérennisé la corruption, certains là-dedans. Pas certain que la justice qu'il a, qui a une capacité dans l'État actuel pour faire des procès équitables, mais moi, je pense qu'il y a des magistrats qui ont une volonté, et si ils ont un moyen, ils ont un encadrement, ils sont capables de commencer à enquêter sur des dossiers. Et les gouvernements ça qui parlent, qui lui-même est un tout qualificatif qui n'a ça qui pas bon, bon probablement la justice est capable de libérer tête libre pour lui mener des dossiers sur des mounes qui impliqués dans des crimes financiers, crimes de sang, des crimes sous biens publics, ou bien crimes sous des tueries qui semblaient avec des massacres. Et même des actions qui semblaient avec atrocités qui n'ont pas qualifié crime contre l'humanité qui fait en Haïti, crime contre l'humanité qui fait en Haïti. Donc, nous pensons qu'il y a possibilité pour les gens répondre à répondre à la question de la justice.